bel été sur RCA. À deux pas d'ici, aujourd'hui, vous propose de prendre le bateau avec les croisières proposées avec Saint-Nazaire en versante. Et nous sommes au téléphone avec Tiffaine Yvon. Bonjour. Bonjour Fabrice. À deux pas d'ici, vous est présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession Jean Rouillé Automobile. Responsable du pôle patrimoine pour Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, nous sommes ensemble pour découvrir les possibilités de croisières et de découvertes au départ de Saint-Nazaire. Dites-nous. Eh oui, on a 6 croisières découvertes montées sur un bateau. On est environ 150 à bord. Cela permet de voir Saint-Nazaire d'une autre façon puisqu'on est en mer ou sur l'estuaire. Parmi ces 6 croisières, on peut à la fois découvrir la façade littorale, on peut découvrir les terminaux portuaires. Et puis, on a aussi des croisières en fin de journée. La croisière musicale Accor Maritime. Donc là, on est sur l'évocation de ces paysages littoraux, mais à travers aussi le temps et la musique. À la nuit tombée, donc le long des côtes, on voit les phares s'allumer. Ça permet aussi de parler de la navigation des navires et des hommes dans l'estuaire. 6 belles propositions pour découvrir Saint-Nazaire d'une autre façon. Si on veut se renseigner sur ces croisières, comment fait-on, Tiffaine ? Alors, comment on fait-on ? Eh bien, on va sur saint-nazaire-tourisme.com et là, on a toutes les informations. On peut réserver directement en ligne. C'est très facile. Et il y a peut-être quelques nouveautés côté croisière cette année ? De nouveautés, une croisière une fois vers Noirmoutier, mais c'est complet, et une croisière pour découvrir le parc éolien. Donc il y a quelques dates en août. Vous savez, ce parc éolien, ce premier parc éolien en mer qu'on est en train de construire. Et donc avec le bateau, ça permet de s'en approcher et de voir ces grandes et belles éoliennes et ces grands mâts en cours de construction. Il est bon de rappeler que ces croisières sont commentées en plus. Alors, toutes ces croisières sont commentées. Pour la croisière musicale Accor Maritime, eh bien, c'est plutôt un speaker ou une speakerine qui raconte l'histoire. Et puis autrement, eh bien, ce sont nos guides qui vous font découvrir, observer tout ce que l'on peut voir depuis le bateau sur les côtes. Et au fur et à mesure, ramène l'histoire de Saint-Nazaire et puis aussi l'actualité, puisque les terminaux portuaires, le port, il s'est commencé à se constituer à la milieu du 19e siècle, mais ils sont toujours en activité. Et quelle activité? On va voir le terminal charbonnier, le terminal pétrolier, enfin tous ces terminaux. Et donc ça permet de voir cette activité qui, on ne s'en rend pas compte, mais irrigue notre vie quotidienne tout le temps. Saint-Nazaire est passionnante et renversante. Merci beaucoup Tiffaine, je vous souhaite un bel été et à bientôt sur RCA pour nous parler tourisme à Saint-Nazaire et aussi dans son agglomération. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5. Nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne. Concession Jean Rouillé Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.